Les arts, premièrement, vont adoucir la vie de l'adolescent, du jeune. C'est vraiment une famille. Ça me donne un sentiment d'appartenance. Moi, chanter, ça m'apporte la joie. C'est vraiment juste tellement amusant que, comme, je ne veux même pas le décrire. Tout le stress de l'école, ça s'enlève lorsque je marche dans la classe d'art visuel. Ça me permet d'avoir une meilleure estime de moi-même, une meilleure confiance en moi. Si je suis triste ou fâchée, ça me calme. Je veux toujours avoir les arts dans ma vie. Bonjour chers élèves, parents, tutrices, tuteurs et membres du personnel. C'est un plaisir de voir prendre forme concrètement le programme Parapluie Passion War que nous lancions il y a à peine quelques mois. Je peux vous dire que je suis très emballé d'assister à ce spectacle collectif car il rassemble des élèves aux talents artistiques incroyables, motivés et qui n'attendent que des occasions comme celle-ci afin de briller. C'est certain que nous avons toutes et tous très hâte de pouvoir vivre des spectacles sur scène devant public. Mais depuis le début de la pandémie, les artistes ont trouvé des manières de faire vivre et transmettre leur art à travers la technologie qui existe. Cela demande ingéniosité, persévérance et adaptation, mais le résultat est là et le succès est assuré. On pourrait même dire que nos artistes se sont transformés. Je suis très heureux de terminer l'année scolaire avec ce bel événement qui témoigne de vos accomplissements, car il démontre qu'au conseil, rien n'est fait en vain et que tout doit se célébrer. Je suis très fier de vous, les élèves artistes, et j'espère qu'à travers le programme Passion Or, vous continuerez à vous épanouir à travers les disciplines artistiques et j'en suis persuadé que vous allez faire briller votre école. Un grand merci aussi aux enseignantes et aux enseignants formidables et à tous les membres du personnel qui jouent un rôle dans le déploiement de Passion Art pour l'expertise et le succès offert aux jeunes artistes, mais aussi aux parents, tutrices et tuteurs. Continuez d'encourager vos enfants à s'épanouir à travers les arts. Ils découvrent leur passion et c'est important de croire en leur rêve. Donc, je vous souhaite tous et toutes un excellent spectacle. Bonsoir à tous. C'est avec une grande fébrilité, mais une fierté incommensurable que les élèves du programme artistique Passion Art vous dévoilent ce soir leur tout premier spectacle collectif. Malgré les embûches que les restrictions sanitaires ont déposées sur leur chemin, les élèves ont encore une fois fait preuve d'une grande résilience et d'une créativité débordante pour vous présenter des numéros artistiques variés empreints de leur talent immense. Vous pourrez applaudir ce soir des élèves des écoles affiliées au programme Passion Art, soit l'école secondaire catholique Béatrice Desloges, les collèges catholiques Franco-Ouest et Samuel Genet, ainsi que les élèves des écoles élémentaires catholiques Arc-en-Ciel, des Pionniers, de la Découverte, Saint-Guillaume, Reine des Bois et au cœur d'Ottawa. De plus, comme le spectacle se veut une grande fête des arts au sein du CECCE, nous avons invité des écoles qui ne sont pas nécessairement affiliées au programme Passion Art, mais qui, à travers un cheminement artistique qui leur est propre, voulaient présenter un numéro de leur crew. Donc, vous pourrez apprécier le talent des élèves des écoles secondaires catholiques Franco-Cité et Paul Desmarais, du collège catholique Mère Bleue, ainsi que du groupe Focus Chansons-Musique. Nous vous souhaitons une magnifique soirée. En toute simplicité, place au spectacle! On s'arrête à des idées noires, aveuglement dans les regards, se voir, tu remarqueras. Tenter de découvrir la terre, écouter l'autre et s'enrichir de ça. Ça nous change.
changera. On se plaint d'être seul, on ne pense qu'à soi. Arrêtons de faire la gueule, il y a tant d'autres choix. Je suis plein d'être seul, je n'ai pensé qu'à moi. J'en ai pris plein la gueule, j'ai dû changer tout seul. Et je garde ton sourire en souvenir, quoi qu'on en dise, la richesse et les gens. Et je garde ton sourire en souvenir, j'ai fait les comptes, l'amour est mon argent. Oh oh oh, oh oh oh. On dit que l'enfer c'est les autres, le changement est-il possible en soi? Sommes-nous en état? J'ai vu des âmes s'ouvrir au monde et profiter de chaque seconde qui bat. Ça je n'oublierai pas. On se plaint d'être seul, on ne pense qu'à soi. Arrêtons de faire la gueule, il y a tant d'autres choix. Je suis plein d'être seul, je n'ai pensé qu'à moi. J'en ai pris plein la gueule, j'ai dû changer tout seul. Et je garde ton sourire en souvenir, qu'on en dise, la richesse et les gens. Et je garde ton sourire en souvenir, j'ai fait les comptes, l'amour est mon argent. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh. La richesse et les gens. Et je garde sourire en souvenir, j'ai fait les comptes, l'amour est mon argent.
Bonjour, je suis Marie-Ève et aujourd'hui je vais vous parler de l'atelier que j'ai vécu en bande dessinée. Je vais à l'école Arc-en-Ciel et au mois de novembre-décembre, on a vécu un bel atelier de bande dessinée. Dans cet atelier de bande dessinée, on a vu plein de différentes façons de dessiner des bandes dessinées, des bonhommes et plein de choses. J'ai apprécié l'atelier parce que ça m'a fait vouloir dessiner plus et comment que l'artiste qui nous a présenté était très ouvert à toutes nos idées. C'était super bon. Bonjour, mon nom est Jérémy et je vais à l'école Arc-en-Ciel et on a vécu un atelier de bande dessinée. Je l'ai vraiment aimé car il nous montrait comment ils sont faits et comment de trouver des idées pour créer des personnages. Et c'était très intéressant de voir une personne qui fait des vrais livres de bande dessinée, comment qu'il les dessine. Bonjour, je m'appelle Madeleine Chien et le nom de mon école est l'Arc-en-Ciel. Et moi, j'ai adoré ça, car comme il nous montrait pourquoi il a commencé de dessiner, qu'est-ce qu'il voulait. Et comme de voir tous ces dessins, ça m'a fait vouloir faire mes propres bandes dessinées. Ça m'a voulu faire mes propres livres que je plus bien. Et j'ai même commencé à dessiner mes propres caractères que moi et mon frère, on adore faire. Et ouais. Bonjour, mon nom est Xavier Lecomte et je m'en vais à l'école de la découverte. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'atelier de design. J'ai beaucoup apprécié l'atelier de design qui nous a permis et montré comment créer des logos, comment que ça fonctionnait de créer les logos et pourquoi est-ce qu'on créait les logos.
J'ai beaucoup apprécié le site web et j'ai aussi beaucoup apprécié que nos belles écoles ont permis de recevoir cet immense privilège. Je suis Indy Paradis. Mon école est de la découverte et mon atelier était de dessin graphique. J'ai vraiment aimé l'atelier parce qu'on parlait beaucoup des différentes façons de dessiner. Et c'était vraiment amusant de nous montrer comment le faire et on le faisait ensemble. Et on avait comme un petit projet, comme un website qu'elle nous montrait, un site web, pour comment avoir, pour utiliser ça, pour pratiquer. Puis elle était capable de nous montrer comment utiliser. Et ça, c'était vraiment amusant. Et tout le monde que j'ai parlé de, c'est toujours, on faisait des dessins, même les personnes qui aiment moins faire les dessins. Et tu pourrais écrire, faire des couleurs avec. C'est vraiment des numériques. Et c'était vraiment amusant, comme j'ai dit. Et le site web, je l'utilise quand même maintenant. Et je fais des différents logos. Et c'est vraiment amusant, ouais. Bonjour, mon nom est Lionel Spolopoulos. Et je suis une élève en 6e année de l'École de la Découverte. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'atelier lors du dessin graphique. J'ai vraiment aimé l'atelier et ça m'a montré qu'il y a beaucoup d'opportunités dans ce domaine. C'est vraiment un métier que j'aimerais peut-être faire quand je suis plus grand. Je m'appelle Noah, je suis en 6e année, je vais à l'école Saint-Guillaume. J'ai fait l'atelier de Lancelin. J'ai aimé ça à cause qu'il a commencé avec un poème que lui a écrit. C'était très interactif avec nous. À la fin de l'atelier, on a fait un poème avec lui à propos du craft dinner. Puis maintenant, j'aime beaucoup, beaucoup la poésie. Je m'appelle Melia King. Je suis à 6e année de l'école des pionniers. Nous avons participé à une présentation sur l'art du slam. C'était tellement amusant que nous avons créé notre slam et notre éducateur, M. Mimbo, a chanté avec nos paroles. Le bonheur, c'est voyager en auto avec la famille et les amis. On est heureux à la plage avec le vent. On oublie tous les soucis de la vie. Le bonheur, c'est voyager en auto avec la famille et les amis. On est heureux à la plage et à le vent et on oublie tous les soucis de la vie. Merci. 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 Il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Thank you.
Succomber au virus virulent du collage d'absurde. Présenté par la troupe Bande de la Douce de l'Académie des Arts de Béatrice Desloges. Seulement les singes attrapent cette maladie. Pourtant, ce sont les gens qui apportent le virus. Dans les mains, sans le faire exprès. Dans le temps, il fallait bien laver les carottes. Sinon, elles faisaient attraper la lèpre. Maintenant, ce sont les pommes de terre qui vous donnent le diabète ou vous font trop grossir. Les épinards sont mauvais, ça donne trop de sang. Les lentilles, trop d'amidon. Les fruits, les salades, toutes les crudités vous donnent des colites. Si on les cuit, ça n'a plus de vitamines, ça n'a plus d'enzymes, ça vous tue. L'alcool, ça fait du mal. Ça alcoolise. L'eau n'est pas bonne, même dans les bottes. Ça gonfle l'estomac. Ça le remplit de grenouilles. 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 La viande est mauvaise. C'est de l'acide urique. Les poissons vous énervent. Les poissons vous énervent. À cause du phosphore, ça le fait éclater. Dans la tête. Et les moules, ça peut donner la peste. Et les huîtres et les coquillages. Les asperges. Mon mari n'en veut pas. Ça fait mal aux reins. Il le sait. Il est docteur. Il a des clients qui ont de l'aspergite. Il y a les aubergines. Ça ne donne que le rhume. Oh, les aubergines. C'est cancérigène. Purifié, désinfecté. Ici, nous serons à l'abri.
En qui, hein, les parfums qui purifient? Moi, monsieur! Il ne suffit pas de vaporiser. Et les poudres? Frottez partout. Les insecticides et le soufre. Les voilà! Les voilà! Nous frottons! Voilà le soufre! Nous frottons! Apportez-moi mon repas! Pour toucher aux mains, prenez vos gants blancs! Faites brûler de l'encens près de la porte, près de la fenêtre, dans les coins! Ça sent encore le poisson. Ça sent encore le fruit. Avez-vous assez mis de médicaments? Il faut en mettre davantage. Il faut se nourrir et c'est dangereux. Mais on ne peut plus déguster. S'il n'y avait pas cette chaleur, l'épidémie serait moins virulente. Quand il y aura de la neige et le gel, cela fera disparaître la maladie. Écartez-vous donc! Vous allez m'étouffer! La distance est hygiénique. Avez-vous bien fermé les portes? Avez-vous bien fermé les fenêtres? On ne pourrait pas même glisser une aiguille sous la porte. Pas même un fil ne doit pouvoir passer. Tout est clos. Bien entendu, personne n'entre ni ne sort. Nous sommes à l'abri. Ne regardez pas par la fenêtre. La vie du mal elle-même peut contaminer. Je sens qu'il y a un peu de courant d'air. C'est le vent qui porte les germes du mal. Il n'y a pas de fissure. Il peut y en avoir. Il peut s'en former. Soyez vigilants. Allez, regardez, inspectez. Allez, allez. Vaporisez aussi. Ne craignez pas de vaporiser la nourriture. Tant pis, c'est d'un mauvais goût. Vaporisez, parce que le vent mauvais peut entrer par sorcellerie, malgré les murs épais. Si vous y pensez, monsieur, il entre par la pensée. Pensez qu'il n'entre pas. Pensez qu'il n'entre pas. Les cloisons doivent être étanches, mais le cœur doit être impénétrable. Si vous ne le voulez pas, le mal n'entrera pas dans cette maison. Il ne nous touchera pas. Nous sommes impénétrables. C'est ce qu'il faut se dire. Sommes-nous impénétrables? Répondez. Nous sommes impénétrables. Dis-le, toi aussi. Je suis impénétrable. Le mal ne peut nous toucher. Et toi? Le mal ne peut nous atteindre. Le mal ne peut arriver jusqu'à nous. Je suis impénétrable. Je suis intouchable. Nous sommes tous des idiots. Hélas, nous sommes gouvernés par des imbéciles. Il faudra trouver un remède à cela. Kaplouk! Ce remède est introuvable. Thank you.
Le spectacle en toute simplicité sera de retour après cette courte pause publicitaire. Bientôt sur vos écrans. Je crois que c'est Bernard. C'est clairement la plante qui a tué mon mari. Non, c'est Gretchen. Non, c'est Doris. Non, non, oui, c'est la plante! As-tu même un cerveau? T'es juste jalouse. C'est pas le temps de parler de pelouse. Notre compagnie est maintenant ma compagnie. Prends un instant pour déposer ton cellulaire et méditer avec moi. Oh, la méditation est super mieux. Je ne sais même pas mon âge. Je suis pourtant ta préférée de... Ça a l'air d'être comme une dette. Ceci est détective Dijon de l'Allemagne. Il est ici pour investiguer. Il travaille pour la police et va nous dévoiler le meurtrier ou la meurtrière. Ah, fesse Mathieu dans l'internet. Prochain! La personne qui a tué Monsieur de la France. Un meurtre étrangement coloré. Pièce écrite et produite par la troupe de théâtre de l'intermédiaire de l'Académie des arts de Béatrice Desloges. Le 21 juin prochain, 19h, sur la chaîne YouTube de Béatrice Desloges. Soyez des nôtres. Ce documentaire a été rendu possible grâce à... Mais qui est Simon Soiré? Tu te souviens quand je t'ai présenté Simon? Oh oui, je me rappelle. La première chose qu'il m'avait dit, c'est qu'il serait le prochain Jimmy Fallon. Si vous aviez vu son premier sofa. À l'apogée de sa carrière, il est l'animateur de talk show le plus admiré et apprécié. Son émission « Sur mon sofa avec Simon Soiré » est l'émission la plus populaire et les cotes d'écoute sont les plus élevées de l'industrie. Bonsoir et bienvenue tout le monde. Assieds-toi sur mon sofa, c'est moi Simon Soiré. C'est l'émission préférée de tout le monde. Mais qu'est-il advenu du célèbre Simon Soiré? C'est ce que je compte vous faire découvrir avec mon tout nouveau documentaire « Mystère et meubles ». À l'affiche sur la chaîne YouTube du Collège catholique Franco-Ouest dès mardi 22 juin, 19h.
j'ai plus d'espoir. Quand je m'abrite sous ce manteau noir, c'est dans la mer qu'on pense à l'avenir. Quand la pluie tombe, mais l'âme coule aussi. Je pourrais te dire que j'en perds la tête, mais je ne peux avouer quels sont mes torts. Quand je me recueille, y'a que ma taille qui me répare. Mais je veux tout vous dire. Nous sommes des enfants qui voient les choses en grand. L'avenir est en danger, il faut changer. Oh, le temps m'a réparé. Plus rien n'est comme avant. Quelqu'un m'a déjà soigné. Oh, oh, le vent a bien tourné. Ne gaspille pas mon temps. Une autre a su me soigner. Voilà, tu disparais sans laisser un mot. T'as préféré fuir comme un enfant. Partir sans te retourner. Je t'ai prêté mon cœur et tu lui as donné ton dos. Toi tu m'as fait gaspiller mon temps. Tu ne m'as pas laissé parler. Et maintenant tu reviens. Et comme avant tu espères retrouver celui qui t'a aimé. Celui avec qui t'as joué. Et maintenant, maintenant c'est toi qui veux parler. Et toutes tes meilleures phrases tu veux les caler. Ne gaspille pas autant, yeah, yeah. Oh, le temps m'a réparé. Plus rien n'est comme avant. Quelqu'un m'a déjà soigné. Oh, oh, le vent a bien tourné. Ne gaspille pas mon temps. Une autre a su me soigner. Ne me fais pas croire que je n'ai pas fait ce qu'il faut. Moi, je t'ai fait passer avant tout. J'en ai perdu la raison. Sans aucun remords, toi t'as tout jeté à l'eau. J'étais devenu accro à ton goût. Le goût de ton poison, hey, yeah. Et maintenant, yeah, ça va. Avec toi, j'avais comme l'impression de devoir supplier pour quelque chose que tu me dois, non. Et maintenant, toi tu veux enfin m'entendre. On s'est arrêté, tu veux reprendre. Ne gaspille pas mon temps. Le temps m'a réparé, plus rien n'est comme avant. Quelqu'un m'a déjà soigné. Oh, oh, le vent a bien tourné. Ne gaspille pas mon temps, une autre a su me soigner. respecter le curé, paye le bon Dieu
et l'âme. S'ils ont marché pour trouver le débouché, s'ils ont traîné de village en village, suis pas rendu plus loin qu'à mon lever, mais devenu plus sage. Tous les souliers qui bougent dans les cités, souliers de gueux et souliers de reine, un jour ces sœurs ont usé les planchers, peut-être cette semaine. Non, mes souliers n'ont pas foulé Athènes, moi mes souliers ont préféré les plaines, quand mes souliers les musées, ce sera pour s'y accrocher. Au paradis, paraît-il, mes amis, c'est pas la place pour les souliers vernis. Dépêchez-vous de salir vos souliers si vous voulez être pardonné. Si vous voulez. Et pardonnez. L'idée derrière cette œuvre collective est que chaque élève puisse créer une œuvre différente en partant de la même image et en s'inspirant d'un mot. Nous avons voulu créer une œuvre originale, collective, malgré les contraintes que le confinement nous impose. Alors, nous nous sommes inspirés des collages du dadaïsme et du surréalisme
qui cherchait à atteindre une liberté d'expression en utilisant tout matériau et support possible. Les artistes dadaïstes du 20e siècle avaient pour but d'amener le spectateur à réfléchir sur les fondements de la société et à également libérer le langage lyrique. Le confinement nous a fait valoir comment certaines de nos libertés sont si précieuses pour nous. En partant de la main ouverte comme image de base, cette main invite l'élève à y placer ce qu'il ou elle l'inspire. Le mot qui a été choisi de leur part a comme but de faire ressortir le symbolisme derrière les images. Celles-ci sont offertes au public, dans la main tendue, comme des mots de soutien. Un rappel qu'il y aura toujours du bien dans ce monde, malgré les circonstances. Bye.
de s'adapter. C'est comme le chemin du destin. C'est un rêve que tu veux réaliser. C'est une mémoire de quelqu'un ou une chose. Pour moi, l'espoir, c'est le chemin de la vie. Voilà l'espoir. Avant que l'amour ne touche nos rêves, nous
Voilà, nous sommes malheureusement à la fin de notre spectacle en toute simplicité. L'équipe de Passion Art tient à remercier son comité artistique. Alain Bilodeau, Martin Gagnon et Véronique Proulx, merci pour votre implication et votre dévouement. Sans vous, cette soirée n'aurait pas été possible. Merci aux parents des artistes, aux directions d'école ainsi qu'aux enseignants. Votre implication et votre participation ont fait une grande différence. Sandy Chirol, Nathalie Néron et Jason Dupuis, merci pour votre appui et votre confiance. Merci à toi, cher artiste au talent immense qui a fait de cette soirée une soirée magique. Continue de croire en tes rêves, parce que n'oublie jamais que si tu peux le rêver, tu peux le faire. Et finalement, merci à vous, cher public, d'avoir assisté à notre spectacle ce soir. Merci d'encourager notre jeunesse et de les propulser vers leurs rêves. L'équipe de Passion Art vous souhaite une magnifique fin de soirée. À bientôt!